Ma personne, dans cette vidéo, j'ai envie de te raconter l'histoire de Josué Schneider Taffe. Josué Schneider Taffe, c'est un ami à moi qui avant c'était un très grand débrouillard, mais aujourd'hui c'est un entrepreneur grossiste qui travaille avec des usines et désormais il prend des vêtements en gros et qu'il livre à d'autres revendeurs. L'histoire de Josué Schneider Taffe démarre en 2012. En 2012 au Cameroun, Josué Schneider Taffe fait la connaissance de l'un de ses amis qui l'appelle Franck. Franck, c'est quelqu'un qui a dû arrêter ses études pour se lancer dans la vente au marché Mokolo. Mokolo, c'est un grand marché au Cameroun dans la capitale appelée Yaoundé. Donc, quand Josué fait la connaissance de Franck, Franck c'est un vendeur, Josué fait ce qu'on appelle de la pâche, il devient un apache. En gros, un apache, c'est quelqu'un qui accoste des clients et qui le ramène chez un vendeur. En gros, c'est un peu le démarcheur, l'intermédiaire, quoi. Donc, pendant 2 ans, il va travailler avec Franck en tant qu'apache. Et donc, en 2014, Josué décide lui aussi de se lancer à son propre compte et il lance son premier business de vente de chaussures friperie. En 2015, Josué s'envole pour l'Allemagne. Et une fois sur place, comme c'est un gars très dynamique, il commence à travailler avec des usines et il devient grossiste. Et c'est comme ça qu'il se lance dans le business, quoi. Donc, il est quitté du statut de débrouillard au statut d'entrepreneur. En 2017, il retourne à Yaoundé, au marché Mokolo. Il revoit encore son ami appelé Franck. Et tu sais ce qu'il dit en général? La question qui revient, c'est qu'est-ce que tu deviens? De 2012 à 2017, Franck est resté au même niveau. Il a gardé le même statut de débrouillard au même endroit, vendant les mêmes produits de la même manière et se plaignant des mêmes problèmes du genre « Josué, c'est dur, ça ne va pas, le pays va mal. » Maintenant, on doit sans doute se poser la question de savoir « Mais qu'est-ce qui s'est passé pour que, après 6 ans, il soit resté au même niveau dans sa vie ?» Eh bien, dis-toi que dans cette vidéo, je vais partager avec toi 3 obstacles majeurs qui empêchent beaucoup de gens de quitter du stade d'entrepreneur débrouillard au stade d'entrepreneur véritable, générique. Bonjour ma personne personnelle, j'espère que tu vas bien et j'espère que comme moi tu as soif de réussir. Et bien si c'est le cas, on est ensemble. Et... ma personne, si en ce moment tu es en train de regarder cette vidéo, ça veut très certainement dire que toi et moi nous avons quelque chose en commun. Donc ce que je t'invite à faire, c'est premièrement de t'abonner si ce n'est pas encore fait. Et deuxièmement de cliquer sur la cloche des notifications. Ceci afin d'être informé pour toutes les prochaines vidéos que je partagerai avec toi qui vont t'enrichir encore et encore. Et la troisième annonce, ma personne, qui n'est pas des moines, c'est que les 3 obstacles à l'entrepreneuriat que je vais partager avec toi aujourd'hui sont en fait tirés du livre de Josué Schneider Taffe qui s'intitule « Du système D à l'entrepreneuriat ». Pépite dans laquelle il te montre comment est-ce qu'il a fait pour quitter du statut de débrouillard, du statut de l'informel au statut d'entrepreneur qui travaille désormais avec des usines et qui aussi a monté sa propre académie numérique intitulée « eBall Academy ». Académie dans laquelle il a déjà accompagné des centaines d'entrepreneurs, des centaines d'orateurs, des centaines de personnes à rendre chacune de leurs prises de parole captivantes, mémorables, mais aussi et surtout inoubliables. Pour la petite histoire, c'est aussi lui qui m'a formé il y a un peu plus d'un an en arrière. Ma personne, accroche-toi parce que les 3 obstacles que je vais partager avec toi aujourd'hui, je suis sûr d'une chose, c'est que toi aussi, tu es forcément victime du 3e obstacle. Alors, sans plus tarder, le 1er obstacle à l'entrepreneuriat dont je vous parle dans ce livre, c'est le phénomène de cohérence sociale. C'est quoi le phénomène de cohérence sociale? En gros, ça veut dire que ce sont des gens qui ont juste peur d'être différents. Tu sais, les hommes avec grande tâche reproduisent ce qu'ils voient. Donc, il y a de fortes chances que si toi, dans ton entourage, il n'y a que des pêcheurs,
de fil en aiguille, toi aussi, tu deviendras un pêcheur. Si dans ton entourage, il n'y a que des médecins, il y a de fortes chances que toi aussi, tu deviennes un médecin. Si dans ton entourage, il n'y a que des entrepreneurs, de vrais entrepreneurs, il y a de fortes chances que toi aussi, tu deviennes un véritable entrepreneur. Mais aussi, si dans ton entourage, il n'y a que des débrouillards, il y a de fortes chances que toi aussi, tu demeures un débrouillard. Pourquoi? Parce que beaucoup de gens ont très peur d'être différents de la plupart des gens qui les entourent. Et oui, ma personne. Et quelque part aussi, même si par moment, certaines personnes ont envie de faire quelque chose de différent, on a peur parce que quelque part, même si on sait que la plupart des gens sont en train de passer complètement à côté, le fait de faire ce qu'ils font nous rassure. On s'est dit, même si on se trompe, on ne sera pas seul. Même si on se trompe, il y aura toujours des personnes qui ont fait la même chose et qui nous ont réconfortés. Voilà comment beaucoup de gens s'enferment dans une vie qui ne leur correspond pas, juste pour pouvoir ressembler aux personnes qui les entourent. La solution ici, ma personne, c'est de penser comme un leader. Un leader agit en fonction de son idéal. Il n'agit pas en fonction de ce que les gens vont penser, mais en fonction de son idéal. Et dis-toi que lorsque tu agis en fonction de ton idéal, tôt ou tard, la vie te donnera raison. Et oui, ma personne. Et puis, c'est ce que dit le dicton, c'est que lorsque tout le monde commence à regarder dans une direction, il est temps de commencer à regarder dans une direction différente et de commencer à réfléchir. Parce que celui qui suit la foule, en général, ne va pas plus loin que la foule. Dans ma personne, si tu veux quitter du système débrouillardise pour devenir un véritable entrepreneur, il va falloir que tu apprennes à agir différemment. Il va falloir que tu apprennes à agir en fonction de ton idéal, mais aussi surtout, il va falloir que tu apprennes à fréquenter des personnes différentes. Parce que rappelle-toi que les hommes reproduisent ce qu'ils voient. Moi, aujourd'hui, malheureusement, j'ai dû me séparer de beaucoup d'amis parce que je me suis rendu compte qu'on ne voyait plus la vie de la même manière. Donc, j'ai compris que si je reste tout le temps avec eux, ils vont toujours me véhiculer une grosse peur, la peur de l'inconnu, la peur du regard des autres, la peur justement de l'échec. Et donc, je me suis dit, rester avec eux, ça ne va pas nécessairement m'aider. Donc, j'accepte dans un premier temps de m'isoler pour me reconstruire. Ensuite, de m'entourer des personnes qui voient les choses sous le même angle que moi. Justement pour ça qu'on a créé la communauté des chercheurs d'argent pour regrouper des personnes folles, entre guillemets, pour réaliser des choses folles. Et ensuite, ensemble, puisque nous aussi, on a créé notre écosystème des véritables chercheurs d'argent. Si jamais tu vas adhérer à cette famille, tu vas en description, tu cliques sur le lien. Maintenant, on pourra réaliser des choses grandes ensemble. Ma personne, le deuxième obstacle auquel beaucoup de gens font face et qui les cantonne au rang de débrouillard, c'est la famille. Tu sais, Josué dit quelque chose de très puissant dans ce bijou de livre. Il est très facile à lire, il n'est pas très long, mais vraiment les messages qu'il partage là-dedans sont vraiment des messages clés. Il dit que, avant quand on lui disait que ta famille devait être son premier obstacle à l'entrepreneuriat, il n'y croyait pas. Jusqu'à ce que, une fois en Allemagne, il décide de se lancer en entrepreneuriat. Donc, quand il décide de se lancer en entrepreneuriat, sa soeur qui s'appelle Karel, elle lui dit, mais franchement, j'ai appris que tu es en train de vouloir laisser tes études pour te lancer en entrepreneuriat. Qu'est-ce qui se passe? Il dit, ben oui, j'ai décidé de me lancer parce que c'est vraiment ça qui me parle. Et sa soeur est devenue folle, elle dit, mais vous les gens, quand vous arrivez en Europe, là, qu'est-ce qui se passe dans votre tête? Et donc, il a dû faire face à une vive opposition de sa famille. Mais il a quand même gardé à l'esprit le fait que ce sont ses résultats qui devaient lui faire entendre raison. Donc, aujourd'hui, avec ses différents résultats, notamment son académie numérique, ses différents business qu'il a pu mettre en place, et notamment aujourd'hui aussi, son livre qui transforme déjà des vies au quotidien, you know, il a pu prouver à ses parents que ses parents avaient tort. Tu sais, en général, la famille est le premier obstacle parce que, puisque ta famille t'aime bien, puisqu'ils veulent ton bien, puisqu'ils ont peur que tu échoues, parce que si tu échoues, ils seront les premiers à en assumer les conséquences, ils auront tendance à vouloir la sécurité pour toi. Et sécurité, c'est rime en général avec emploi. Sauf qu'au 21e siècle, un emploi, ce n'est pas vraiment une sécurité. J'en ai encore fait l'expérience il y a quelques jours d'un de mes collaborateurs qui travaillait en tant que salarié dans une grande boîte. Et du jour au lendemain, il a été viré. On parlait de sécurité. Pourtant, du jour au lendemain, tout peut s'arrêter. Alors que lorsque tu as pris le temps de bâtir ton mindset et devenir un producteur de richesse,
Tu es indépendant parce que tu sais que même si tu perds tout l'argent que tu as aujourd'hui, tu peux te refaire parce que tu sais comment faire pour produire de la richesse. Donc, ta famille sera ton premier obstacle. Et maintenant, si tu veux que ta famille te rejoigne, ça sera par tes résultats. Et c'est exactement ce que Josué, lui aussi, il a fait. Il a tellement bien fait ce qu'il est en train de faire, à tel point qu'il a permis aussi à sa sœur Karel, qui au départ le combattait, d'elle aussi, de monter elle-même sa propre structure et de désormais accompagner beaucoup d'autres entrepreneurs indépendants dans la logistique aérienne. Ma personne, travaille en silence, les résultats feront du bruit pour toi. Et ensuite, le troisième obstacle auquel tu feras nécessairement face, ça c'est obligé, c'est le manque d'informations. Parce que rappelle-toi que pour être transformé, il faut être informé. Et comme l'a dit Robert Kiyosaki, c'est grâce à ce que tu sais que tu gagneras beaucoup d'argent, mais aussi et surtout, c'est à cause de ce que tu ne sais pas que tu gagneras très peu d'argent. Parce que l'une des différences fondamentales entre les riches et les pauvres, c'est que les riches en savent beaucoup plus sur l'argent que les pauvres. Donc, cherche la connaissance et la connaissance t'affranchira. Josué illustre hyper bien son propos dans son livre suite à une histoire qui s'est passée entre lui et l'une des personnes qui l'a accompagné, qui l'appelle Jules. Jules, c'est un éleveur de porc, je pense. Oui, c'est un éleveur de porc. Et il se trouve que pendant plusieurs années, Jules n'a fait que ça. Ses parents étaient éleveurs. Lui aussi, il est devenu éleveur. Sauf que s'il se trouve que ça devenait un peu harassant pour lui, il avait vu Josué faire un live sur comment gagner de l'argent à partir de ses compétences, un truc comme ça. Et il s'est dit, bon, Josué, il faudrait que moi aussi, je gagne de l'argent, mais sans avoir besoin de travailler comme un malade. Donc, il demanda à Josué comment est-ce que Josué pouvait l'aider. Et donc, Josué lui a dit, ok, moi, je vais t'accompagner. Et je vais te montrer étape par étape comment est-ce que toi aussi, tu vas pouvoir bâtir un système qui va te permettre de gagner de l'argent même quand tu dors, même quand tu n'es pas là, même lorsque tu es en vacances. Donc, Josué l'a accompagné et il lui a donné les astuces pour que lui aussi puisse bâtir son réseau, son système. Et désormais, Jules, à ce jour, il accompagne aussi d'autres éleveurs qui veulent aussi faire dans l'élevage et qui parfois travaillent avec lui, travaillent même pour lui, pour que lui aussi, il puisse gagner de l'argent, même en dormant. La moralité ici, c'est que beaucoup d'entre nous négligent leur savoir-faire par manque d'informations. Beaucoup d'entre nous pensent qu'ils n'ont rien à apporter aux autres parce qu'ils ne savent pas. Voilà pourquoi il dit que l'information, c'est quelque chose de très, très important au 21e siècle. C'est d'ailleurs pour ça que Simon Ouédraogo a dit un jour que la pauvreté, c'est le manque d'informations parce que l'information structure ta manière de penser. Ta pensée structure ton comportement et ton comportement structure ta destinée. Et oui, ma personne, voilà pourquoi tu dois être curieux, tu dois chercher sans cesse l'information. Et pour toutes les bonnes informations, je trouve dans les livres, dans les formations, mais aussi et surtout dans des conférences. Dans ma personne, voilà trois éléments majeurs que j'ai voulu partager avec toi dans ce livre qui m'ont vraiment beaucoup marqué. Mais aussi, le plus important, c'est qu'après avoir parlé de tout ça, Josué te partage les 10 étapes incontournables par lesquelles tu devras passer pouvoir quitter du système D à l'entrepreneuriat. Parce qu'après avoir posé le problème, il faut bien sûr apporter la solution. You know, donc dans ce livre, tu les découvriras tous. Je te le conseille vivement parce qu'il est juste exceptionnel comme livre. Très petit, très facile à lire, dans un français vraiment glisse quoi. Donc voilà, et je ne saurais terminer cette vidéo sans préciser que c'est un pur produit ce livre de notre deuxième édition d'une masterclass de très haut niveau qui s'intitule « 28 jours pour écrire ton livre et le vendre ». Son livre, Josué l'a écrit en 20 jours, je pense, oui. Et il est déjà en vente sur argentlivre.com. Et si jamais toi aussi tu veux rentrer dans l'histoire et transformer des vies au quotidien comme le fait déjà Josué, je donne rendez-vous le 4 décembre 2021 pour une masterclass de très haut niveau. C'est la troisième édition sur « 28 jours pour écrire votre best-seller et le vendre ». À titre d'information, Porcbus, à ce jour, après notre première édition, 6 mois après, il en a vendu plus de 800 exemplaires à raison de 5 000 ou 10 000 francs le livre. Je te laisse imaginer ce que ça peut donner. Donc, tu as vite fait, il a dépassé le million carrément. Tu as vite fait de comprendre que le livre que tu as écrit une seule fois peut être une véritable source de revenus. Donc, un livre qu'il a écrit une fois, il a vendu plus de 800 exemplaires à raison de 5 000 francs. 5 fois 8, ça fait 40. Il a plus de 400 000, 5 x 8, 40, ouais.
pratique, ouais, plus de 400 000, je pense. Il a investi combien pour écrire son livre? Mais il est à plus de 400 000. Retour sur investissement, énorme. On partage des stratégies au cours de cette masterclass qui sont juste exceptionnelles et qui, si tu les appliques, crois-moi sur parole, elles fonctionnent à tous les coups. Et on te montre même comment vendre ton livre sans dépenser un seul rond. Eh oui. Parce que quand j'ai dit dans une précédente vidéo qu'on a pu vendre plus de 1,35 million de francs CFA de mon dernier livre en moins d'un mois, un pied, les pauvres sont égoïstes, c'est sans avoir dépensé le moindre rond. Oui, c'est le cerveau qui travaille. De ma personne, si toi aussi tu veux transformer des vies, donne rendez-vous le 4 décembre pour une masterclass exceptionnelle. Si tu veux pouvoir réserver rapidement ta place, va en description, clique sur le lien qui est juste au-dessus de cette vidéo. Et l'information non négligeable ici, c'est que tous les chercheurs d'agents certifiés bénéficient d'une réduction de 25% sur toutes nos formations. Je dis bien sur toutes nos formations. Donc ma personne, si c'est ce qui te reste à faire, sur ce, je donne rendez-vous à ma prochaine vidéo. Et n'hésite pas à lire cette pépite de livre. On est ensemble. Minakano. Vous voulez écrire un livre pour transformer des vies mais ne savez pas par où commencer? Vous avez déjà écrit un livre mais n'arrivez pas à le vendre? Vous avez une expérience et souhaitez la partager? Valère Belias, auteur de 3 véritables pépites, vous donne rendez-vous samedi 4 décembre 2021 pour la 3e édition d'une masterclass inédite intitulée « 28 jours pour écrire un best-seller et le vendre ». Au cours des 2 premières éditions, Valère et son équipe ont accompagné plus de 24 auteurs dont les écrits transforment des vies au quotidien. Fait, vous aussi, vous pouvez le faire. Argent Livre, c'est une communauté de plus de 130 000 abonnés qualifiés qui ne demandent qu'à vous lire. Alors, écrivez et nous nous occupons du reste. Car écrire un livre, c'est bien, le vendre, c'est mieux.